Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous voilà de retour sur Lumberjack. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai trouvé des vaches, j'ai trouvé mes poules, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Je suis revenu voir Camilla. Camilla, là. Camilla. Camilla. Camilla, et celui que je me suis approché, bof, ça a déclenché le truc. Donc, du coup, je peux prendre ce machin-là. Et on va voir un peu si déjà. Ah, moi je peux. Voilà. Celui-là, vu que je peux braquer. Bon, nickel. Du coup, celui-là, on va le ramener chez nous. Parce que bon, je me suis aperçu de quelque chose aussi. On a eu un lézard. Toutes les palettes que j'avais fait, que j'avais mis dans le séchoir, ont disparu. Ça fait que je n'ai plus de bois d'avance. Enfin, plus de bois d'avance, plus de planches. J'ai des rondins, des grumes, tout ce que vous voulez, mais je n'ai plus de. J'ai plus ça. Donc voilà, ça va être un peu embêtant parce que du coup, j'en ai remis. Moi qui voulais retaper ma ferme avec vous, ben du coup, il va falloir que j'aille faire un dodo parce que bon, du coup, faut que j'aille faire un dodo pour pouvoir les faire sécher. Donc il faut dormir 7 jours, donc déjà j'ai dormi 5 jours. Il me reste 2 jours à dormir pour pouvoir les utiliser. Ce que je voudrais qu'on arrive à faire, parce qu'en plus Camilla, là, apparemment, elle m'apprécie bien. Donc, Camilla. Donc, ça peut être intéressant de revenir la voir. Mais avant ça, je voudrais quand même restaurer un peu plus ma maison, quand même. Parce que ça fait un peu défaut, quand même. Donc là, on va ramener ce porteur là. Bon, ouais, c'est pas un porteur, c'est pas ce que je voulais, mais bon, après tout, on l'a pour 3 fois rien, donc autant en profiter. De là, après, je pense que. Qu'est-ce qu'il me raconte? Puis là-bas que j'ai à 500 mètres. Ouais, d'accord, ok, bah, pour l'instant, je vais ramener ça. Je voudrais retaper un petit peu ma maison. C'est un peu l'objectif de cette vidéo, c'est de retaper un peu la maison. Malgré que la couleur des planches me plaît pas du tout. Donc, je ne sais pas si je peux acheter de la peinture ou je sais pas pour les peindre, j'en sais rien. Bah, tiens, justement, on va s'y arrêter, on va aller voir ça de plus près. Hop, ici. Est-ce qu'il y a de la peinture? Oui, apparemment il y a de la peinture. Donc ça veut dire que je pourrais les repeindre, mais donc je dois pas avoir la compétence encore. Comme c'est là. Constructeur, mécanicien, marchand, pêcheur, nature, constructeur. Constructeur. Réparer les pièces de construction aménagées. Il faut que je sois niveau 3 au niveau peinture. Pour avoir le niveau peinture. D'accord, ok. Je pense que ça va se débloquer là quand je vais commencer à retaper ma baraque. Je pense que ça va se débloquer. Donc on viendra acheter de la peinture et puis de là, bah, écoutez, après, je pense que ça devrait rouler. Ah bah celui-là au moins il a un volant, il n'est pas comme l'autre qu'il avait de machin là qui ressemble à rien là. Moi je suis de la vieille école, moi il me faut un volant pour conduire. Donc voilà, hop, c'est parti. On va aller voir ça de beaucoup plus près pour retaper cette maison un petit peu. On va essayer de retaper un peu la grange aussi. Indirectement, on va retaper un petit peu tout ce qu'il y a autour de chez nous, un petit peu, parce que ce serait pas mal. Ouais, mais j'ai le camion qui est je ne sais où. Ouais, bon, c'est pas grave. On prendra pas le camion, c'est pas grave. On va se débrouiller autrement. Voilà. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de retaper notre maison.
Alors toi, on va te parquer quelque part, hein. On va essayer de te trouver un coin. Je vais te parquer ici, toi. Hop, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais aller ramasser mes œufs. Parce que les œufs, c'est... Alors, aussi, j'ai acheté un chat. Je suis tombé sur quelqu'un, il m'a dit, vous voulez un chat? Enfin, il m'a pas dit que je voulais un chat, je lui ai demandé un chat. Donc, j'ai un chat qui doit se balader quelque part, par là. Mais je sais pas où il est. Parce que quand je fais ça, hop, chat possédé, oui. Mouton possédé, non. 9 vaches. Un coq, coq possédé et 20 poules. Par contre, je n'ai pas vu mon chat encore. Alors, je sais pas où il est. Je sais pas. Il va peut-être arriver plus tard, peut-être, parce que elle m'a dit que c'était, ce serait peut-être un chaton. Donc, si c'est un chaton, à mon avis, il... D'accord, ok. Non, mais il était temps, hein, quand même, que ça arrive, ça. Hein. Non, mais c'est pas grave, le succès, il arrive une demi-heure après, hein. Non, mais c'est pas grave. Non, non, mais vous inquiétez pas, c'est Xbox. Hein, c'est Xbox. Et petit matou, il est où, le petit matou? Oui, mais il est où, le petit matou? Oh, j'ai perdu mon petit chat. Là. Hop. Alors, est-ce qu'elles vont être sèches? Il y en a certaines qui sont sèches, pas d'autres. Donc, attendez. Hop. Alors, refaire un petit dodo. Mais avant, faut que j'aille chercher mes œufs. Et c'est bien parce que je l'ai dit tout à l'heure que j'allais chercher les œufs. Et j'étais me coucher sans aller les chercher. Alors, ça, c'est fort quand même. Bah, il va en avoir des œufs. Hop. 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 Va falloir que j'aille traire les vaches aussi. Et ça va être des journées de 36 heures qu'il va me falloir, hein, pour tout faire, si ça continue. Parce que j'ai même pas encore retapé la ferme. Enfin, l'exploitation. Oui, il y a la ferme aussi un peu là. C'est un peu une ferme, tu vois bien, mais pour moi, c'est plutôt une exploitation qu'une ferme. Oui, les vaches. Et après, on ira dormir. Hein, on ira dormir comme ça. Après, on est tranquille. Et après, on se met à retaper un peu la maison. Parce que là, ça commence à bien faire un petit peu. Hop, voilà. On passe à celle-là. Hop. Hop, on se tourne vers celle-là. On la traite. Hop, ici. Moi aussi, je sais le faire, t'as vu? Moi aussi, je sais le faire, t'as vu? Oh. Eh, c'est pas toi qui devrais faire meuh, c'est nous qui devrons faire meuh parce que le jeu il est bugué de bug. Non, mug, bug, pas mug.
bug, tu dis. Hein, puis tu le dis à celui qui t'a fabriqué, tu dis, hey, il est bourré de bugs le jeu. Voilà, tu vas lui dire, ouais, dis-lui bug. Arrête de dire me, dis bug. Voilà, je vais t'apprendre à parler, moi, tu vas voir. Allez, sur ce, hop, on continue. On a trait les vaches, c'est bon. On sort de là-dedans. Hop. Matou est toujours pas là. Je sais pas où il est, Matou. Matou ? Pompon ! Il est où, Pompon ? Je vais l'appeler Pompon, moi. Ça, c'est Oscar. Le Pompon, il est où, Pompon ? Je sais pas où il est, Pompon. Je sais pas où il est. Il devrait être à côté du chien, normalement. À moins qu'il soit... Ah, peut-être sur le canapé ? Non ? Non, non. Pompon, il est pas sur le canapé. Bah, hey, Pompon ! J'ai perdu Pompon ! Allez, on dort une nuit de plus. Donc, nos planches vont être sèches. Donc, après, on va venir un petit peu retaper un peu cette maison. Un petit peu, là, parce que là... ça serait pas mal, quand même, parce que là, c'est un peu... Hein. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, allez. Voilà. Allez. On va aller retaper notre maison. Bah ouais, parce que le camion, je sais pas, je l'ai foutu loin le camion, je pense. On va déjà faire l'intérieur de la maison avant de faire l'extérieur quand même. Hein? Hop. Ah si, j'ai un peu mieux quand même, hein.
Allez, on va rechercher 3-4 planches. Déjà, l'intérieur sera déjà un peu plus beau que l'extérieur. Voilà, on va continuer notre intérieur un petit peu là. J'en étais où? Ici. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? Apparemment, je sais rien. Là. Là. Voilà, ça c'est fait. Hop, on va passer à la piste d'à côté. Allez, c'est parti. Ah bah alors, il y a un truc là. Allez, je vais chercher des planches. Hop. Hop, 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 hop. Hop, allez go. Alors pourquoi j'arrive pas à finir la fenêtre qui est dans la chambre? Non, c'est passé là.
Voilà, ça y est, fini. Pas compris pourquoi tout à l'heure il voulait pas. Ça, c'est une affaire qui roule nickel. Voilà. Voilà. La porte. Voilà. Alors, tout est fait là. Alors, non, mais c'était pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Mais non! Putain, mais c'est pas ça! Oh, comment on fait pour le mettre le bordel là? Hey, c'est marqué reconstruire, c'est pas marqué dormir! Non, c'est n'importe quoi. Non, mais sans déconner. Non mais sans déconner. Ah bah on a essayé la version test, hein. On a essayé, on n'a pas eu de problème, hein. Non mais hé. Quand vous essayez une version test, les développeurs, sortez-vous les doigts du cul, hein. Ouvrez les yeux, hein, et arrêtez de regarder les femmes qui passent à côté de vous, parce que franchement, quand vous nous sortez des conneries comme ça, moi j'ai essayé la version test. Ouais. Ah ouais, tu as tellement bien essayé, regarde. Hop! Ah, ça me fait dormir! Non, mais sans déconner! Oh, arrêtez vos conneries! Arrêtez vos conneries, parce que là, je sais même pas comment je vais faire pour arriver à faire ça, là. Ah, peut-être par-dessous, mais. C'est même pas dit. Bah oui, je peux pas par-dessous. Alors, quand vous dites que vous essayez une version de test, arrêtez, arrêtez. Ça, vous nous racontez que des conneries. Donc, ah, mais il n'y a pas que sur ce jeu-là que vous racontez. Il n'y a pas que, hein. C'est sur tous les jeux que c'est comme ça. De toute façon, vous nous sortez les jeux, vous êtes tellement pressé de toucher votre pognon que vous en foutez qu'ils soient buggés ou pas buggés. Hein, vous en foutez complètement. Du moment que nous, on l'achète, c'est le principal. Mais franchement, c'est. C'est pas normal que vous fassiez ça. Alors du coup, ça se trouve, je vais plus avoir de planches parce que ça se trouve, c'était pas un bug. Ça se trouve, c'est au bout d'un certain temps, bah, les planches qui sont dans le séchoir se barrent. Alors si c'est ça, bah, je suis dans la merde parce que j'ai plus de planches encore un coup. En gros, ça va être ça.
Vous avez vu, regardez. C'est là qu'elle m'a mis. N'importe quoi ce jeu. N'importe quoi. Vous n'allez pas me dire que s'ils avaient essayé la version de test, ils l'auraient vu ça, ce problème-là. Allez, on va remonter là-haut. On va continuer notre petite terrasse. Tranquillou.
Donc voilà, on en a fait un petit peu là de rénovation de la maison. On a fait déjà une bonne partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer sûrement reconstruire tout ça tranquillement hors ligne. Parce que bon, ça va demander énormément de temps de refaire toute l'exploitation. Voilà, c'est. On a fait déjà une bonne partie de la maison. Je pense que le reste sera fait hors ligne. Parce que là, sinon, dans 10 ans, on est encore en train de faire des vidéos sur la rénovation de la maison. On va finir ce pignon-là. Si tu pouvais fermer ta porte, toi, ça serait bien. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Versailles ici, c'est moi qui paye l'électricité. Hein? Le chauffage, c'est moi qui le paye aussi. Donc, hein, c'est pas Versailles ici. Hein. Voilà. Donc, voilà, on a fait déjà une bonne partie de cette maison. Mais tout ça, c'est à retaper aussi. Hein, regardez. Comme je vous dis, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'occuper. Hein. Il y a même le seau là. Le seau du puits, il y a le puits complet. Il y a. Vous voyez, c'est. Sans compter qu'après, normalement, il y a un coup de peinture à passer dessus. Donc voilà. Parce qu'il y a, il y a, il y a tout ça, il y a tout ça. Il y a tout ça, il y a les serres qui sont là, il y a les portails, les serres qui sont là, il y a les serres aussi. Donc comme je vous dis, je pense que je vais faire ça tranquillement hors ligne. Je vais retaper ma petite maison tranquillement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!